Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Notre Bonne. Waouh, mes frères et sœurs, longue vie à tout le monde. Longue vie à tous ceux qui sont abonnés sur Notre Bonne et que Dieu veille sur nous. Ce matin, comme vous le voyez, nous avons reçu une information terrible. Comme quoi, un homme est décédé, une personnalité, une personne très connue et très aimée du pays est décédée. C'est une information qui nous touche parce que ce matin, nous avons fait une vidéo pour essayer de demander à tout le monde de prier avec nous et que tout se passe bien. C'est une nouvelle terrible pour nous. Et c'est même la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo pour essayer de donner quelques conseils à nos jeunes frères afin qu'ils puissent vraiment avoir longue vie. Donc vous, ce qu'il faut savoir pour avoir longue vie, nous tous ici nous prions et que nous donnons tous longue vie, mes frères et sœurs. Je vais dire même ça. Et dans la parole de Dieu, nous découvrons que Job, le serviteur de Dieu, a vu toutes ces choses et il a même dit ceci. Il a dit dans Job 12, verset 10, il a dit que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme, de toute chair d'homme. Ça veut dire en un mot que la vie de chacun de nous ici est entre les mains de Dieu. Et plus loin, dans Job 14, au verset 1 déjà, le même Job nous dit: l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Mes frères et sœurs, effectivement, la vie de l'homme est tellement courte que vous ne pouvez pas vous imaginer. Or, nous naissons comme ça. Voici la naissance du bébé. Il est venu au monde et il nous regarde, il découvre les choses de ce monde. Et c'est une belle affaire. Plus loin, il grandit, il va à l'école et c'est extraordinaire, il apprend des choses. Il rencontre des amis et là encore, c'est là les problèmes se mettent sur ce pied. Il doit rencontrer de bons amis parce qu'il y a des mauvais amis. Il existe de mauvais amis, les frères et sœurs. Si vous n'êtes pas à côté de bons amis, ça ne sera pas bon pour vous. Ils sont nombreux, mais tous ne sont pas les bons. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, il y a certaines personnes qui choisissent déjà des amis, qui choisissent d'appartenir à des groupes de personnes qui parfois se rendent dans le bois de nuit ou dans certains endroits pour s'amuser. Et ils touchent à n'importe quoi, souvent à l'alcool, comme vous le voyez, tous ces genres de choses. Et pour eux, c'est la vie. C'est la vie, c'est la joie. Regardez. Or, ils ne savent pas ce qui est derrière la boisson ou derrière l'alcool. Derrière l'alcool aujourd'hui, il y a un esprit. C'est pourquoi il faut faire très attention à l'alcool. Même si tu n'es pas aidé d'éviter cette histoire. Et les gens vous-même vont plus loin jusqu'à fumer de la cigarette, tous ces genres de choses, mes frères et sœurs, mêlés à la boisson, tout ça. Évitez ça, évitez ça. Ce n'est pas une chose que nous souhaitons pour vous. Et si vous êtes dans toutes ces choses, c'est le moment d'arrêter. Vous voulez une longue vie, c'est pourquoi vous regardez cette vidéo. C'est le moment d'arrêter ça. Parce que les accidents peuvent venir. Les accidents routiers. Regardez. Il y a eu un accident. La voiture est tellement broyée. Les pompiers sont venus. Ou bien l'hôpital est arrivé sur le lieu. Regardez comment la voiture est broyée. Est-ce que cette personne va vivre? Mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Accident de moto avec une voiture. Regardez comment la voiture est devenue. Avec la voiture, certains disent qu'on est en sécurité. On a plus en sécurité même qu'avec une moto. Parce que ça, c'est pas du tout joli, joli. Mes frères et sœurs, c'est bien réel. On envoie la personne qui vient d'avoir un accident à l'hôpital.
C'est à ce moment-là, tout le monde témoigne de prier pour cette personne. Tout le monde témoigne de prier. Les frères et sœurs, vous mettez pour venir te guérir. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, faites attention à votre vie, faites attention. Il est préférable de ne pas se retrouver dans cette situation. Là, cette personne est en train de lutter entre la vie et la mort. Et en ce moment-là, cette personne peut voir deux mondes. Le monde où cette personne voit les anges et l'autre monde où elle voit les démons. Les démons même qui sont même chauds, même venus se lutter sur son âme. Si les démons veulent emprunter son âme, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Urgence. Il y a urgence. Aujourd'hui, les jeunes meurent tôt. Regardez comment les jeunes s'amusent. Ils veulent avoir de l'argent. Ils vont faire des pactes n'importe comment avec les démons, ceci et cela. Ils veulent avoir du succès. Ils vont faire n'importe quoi. Ils veulent réussir. Ils veulent impressionner les gens. Il faut tout son prêt à tout pour juste marquer leur temps. Mes frères et sœurs, il faut marquer Dieu dans leur comportement. C'est mieux. Parce que quand vous vous retrouvez dans l'état d'urgence, ce n'est pas une bonne affaire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une bonne affaire. Et les gens veulent goûter à tout. Les gens veulent goûter à tout. Et c'est devenu normal pour les gens. Voici une femme célèbre qui donne une bise, qui embrasse un jeune homme vierge. Et pour eux, c'est juste pour rigoler. C'est juste un jeu, c'est juste pour rigoler, comme ça, tranquille. Regardez. Voici des choses qui sont compliquées. Une des choses qui réduit l'espérance de vie des jeunes, c'est le sexe. C'est aussi le sexe. Nous devons vous dire, les gens ont du sexe, mais pas comment. Je vous ai demandé à un jeune récemment, un jeune rappeur, avec combien de femmes as-tu couché cette fois-ci? Certains me donnaient leur avis. 5, 2, 17, 10. Mais il a dit non. J'ai couché avec 1000 femmes. 1000 femmes. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Tous ces genres de choses nous préparent à de mauvais coups de la vie. Et ça envoie les gens dans le problème. Je vous parle de quelque chose. Mes frères et sœurs, faites attention à votre vie. Il est préférable de chercher Dieu dans la parole de Dieu. Vous pensez que cette personne perd son temps en lisant la parole de Dieu? Mais bien sûr que non. Elle ne perd pas son temps dans la parole de Dieu. Parce que même dans la parole de Dieu, il est écrit. Dans Psaume 1 déjà, on nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, comme ce que nous sommes même en train de faire, comme ce que tu es en train de faire, parce que le fait même de regarder cette vidéo, tu es béni. Et c'est rien. La parole de Dieu nous dit, voici toutes ces choses. Les gens ont compris qu'ils cherchent Dieu dans la prière. Les gens ont compris qu'ils cherchent Dieu par ci et par là. Où nous allons trouver Dieu et reçu dans notre activité et avoir longue vie. La mort ne prévient pas. Personne ne peut savoir quand il va mourir. C'est pourquoi tout le monde court vers Dieu aujourd'hui. Court vers Dieu. Et abandonne le monde et ces choses. Les gens sont en train de chercher Dieu dans la prière, dans la prière, dans la prière. Ah Dieu, écoute-moi. Ah Dieu, s'il te plaît, écoute-moi et donne-moi longue vie. Et donne-moi longue vie. Il n'y a que toi ceux qui peut m'aider. Mes frères et sœurs, c'est chaud. Et tout le monde court. Tout le monde recherche Dieu. Tout le monde recherche Dieu. Tout le monde cherche Dieu, cherche à rencontrer Dieu. Et les gens cherchent à savoir comment ils vont faire pour s'en sortir dans la vie. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Les gens meurent tôt. Il y a des choses terribles qui arrivent. Comment nous allons nous sauver si nous ne prions pas? C'est la seule manière de rencontrer Dieu. Dans la prière, le jeûne et la lecture de la parole de Dieu. Surtout dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons écouter. Nous devons écouter. Parce que ça aide. Regardez, ceux qui ont compris deviennent de plus en plus nombreux. Et toi, mon frère et toi, ma soeur, as-tu compris le message? Joins-toi à nous, abonne-toi, active la cloche et recherche Dieu en permanence. Dieu nous va nous aider ici. Dieu va tous nous aider. Nous voulons tous avoir longue vie, longue vie, longue vie, longue vie. Et nous devons poser de bonnes œuvres. Ils sont en train de prier. Et tous se sont écartés du monde, ils sont sortis du monde. Même aller vers l'endroit, même il y a de la grâce. Regardez derrière, il y a de la grâce. On voit de la grâce. Et ils sont en train de prier. Ils prient, mes frères et sœurs. Ils sont en train de prier. Ils cherchent la face de Dieu. Et ils sont ensemble.
C'est qu'ensemble, on sera plus fort. C'est ce que nous devons faire chaque jour. Et Dieu, il nous dit quelque chose de très important. C'est dans Psaume 128. Déjà, Dieu nous dit, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Nous cherchons la prospérité, mes frères et sœurs. On nous dit encore, « Ta femme est comme une fille féconde dans les terres de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Et ce qui est même plus rassurant, c'est qu'on nous dit, tu verras les fils de tes fils. Quelle bénédiction peut dépasser ça? Tu verras les fils de tes fils, tu auras longue vie, tu vas avoir longue vie. C'est bien, ce message est pour toi. Et on nous dit que la paix soit sur Israël, le peuple de Dieu. Le peuple qui cherche à rencontrer son Dieu, qui cherche à écouter la parole de Dieu au lieu de s'attacher aux choses de ce monde, qui raccourcit la vie des gens et surtout des jeunes. Mes frères et sœurs, nous devons écouter Dieu, nous devons écouter Dieu, nous parle chaque jour. Mais l'homme n'y prend point garde. Je ne savais pas que ce qui s'est passé ce matin allait conduire à une mort tragique. Mes frères et sœurs, c'est choquant. Cherchons Dieu, mes frères et sœurs, même dans les combats, même dans tous ces combats que vous allez rencontrer parce que vous avez choisi le chemin de Dieu, parce qu'il y en aura des combats. Dieu va vraiment vous aider à avoir la victoire sur tous vos ennemis. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas lire, ils veulent faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller au paradis ou en enfer? La vie et la mort se trouvent entre tes mains. Entre tes mains, la vie et la mort sont présents. Il faut faire ton choix. Les mauvais amis, les mauvais conseillers ne vont pas t'arranger. C'est le moment de te préparer à aller au ciel. Parce que tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, Dieu envoie ses anges venir les chercher. Et la mort d'un chrétien, c'est une joie pour tous ceux qui sont avec le Seigneur, qui savent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que nous savons tous que les frères chrétiens, Dieu est avec eux, Dieu est avec nous, son esprit est avec nous. Et Dieu envoie ses anges venir nous chercher déjà. Et c'est une joie pour nous. Parce que durant tous les jours de notre vie, Dieu lui-même a reconnu que nous avons été droits, nous l'avons servi, mais quelles que soient les difficultés que nous avons rencontrées, dans tout ce temps, nous l'avons aimé. Et Dieu envoie ses soeurs pour nous secourir, pour le rencontrer. C'est-à-dire, le Seigneur se trouve dans son royaume et il vient rencontrer les âmes. Il n'y a que ceux qui sont morts qui peuvent aller là-bas. Et ceux qui sont morts, leurs œuvres les accompagnent. Quelles sont tes œuvres, mon frère? Quelles sont tes œuvres, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu travailles dans une boîte de nuit où tu te mets nu et tu danses, tu exposes ta nudité? Est-ce que tu t'habilles sexy pour séduire les gens? Dieu veut t'aider. Dieu veut te consoler. Viens aujourd'hui dans sa maison. Dieu à la rencontre de ton Créateur, il veut t'aider, il est compatissant, il est vraiment bien. C'est comme si c'était lui qui te parlait aujourd'hui. Mes frères et sœurs, regardez. Dieu est avec nous, son esprit est avec nous. Il regrette, il n'est pas du tout content en voyant ses enfants dans les problèmes comme ça, s'égarer. Dieu veut nous consoler. Dieu c'est le consolateur, il veut te consoler aujourd'hui. Accepte Dieu dans ta vie et il te donnera la paix et la joie que tu recherches. Même tes enfants vont être contents de te voir toujours auprès d'eux et de voir leur père ou bien leur mère être auprès d'eux et grandir. Jusqu'à ce que eux aussi, ils deviennent de bons pères ou de bonnes mères pour leurs futurs enfants. Et à ce moment, vous serez grand-mère. Ça, c'est ce que Dieu souhaite pour nous. Longue vie à tous, mes frères et sœurs. Mais pour avoir l'envie, il faut écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Il faut juste
ouvrir la bouche, ouvrir l'oreille plutôt, entendre la voix de Dieu et apprendre à faire le bien, apprendre à marcher sur le chemin de Dieu. Parce que nous tous, nous allons mourir un jour. Nous tous, nous allons mourir un jour, chacun à son temps. Mais il ne faudrait pas que les sorciers te poussent à mourir. Il ne faudrait pas que les démons te poussent à mourir. Ou bien toi-même, tu fasses un choix, le choix de mourir jeune. Ce n'est pas une bonne affaire. Les jeunes qui ont de l'impact. Avec le diable, pour l'argent, nous vous déconseillons ça. L'argent, nous allons tous les abandonner. Si tous les abandonner, toutes ces choses ne servent qu'à peu de choses. C'est que le corps, une fois que tu es mort, tes œuvres doivent t'accompagner. Dieu doit approuver tes voies, toutes tes voies sur la terre, et déclencher une vague d'anges qui vont venir maintenant chercher ton âme et combattre tous les démons qui essaieront de s'y opposer. Nous comptons sur vous, nous comptons sur toi. Pour ranger ta vie et te mettre sur le bon chemin. Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. Jésus-Christ arrive, je reviens bientôt, mais la mort peut te surprendre. Je veux que tu sois prêt. Est-ce que tu es maintenant prêt? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Si tu es prêt, abonne-toi à toute la cloche et ne manque pas nos prochaines vidéos et recherche Dieu toi-même dans ta maison. Exactement comme toutes ces personnes que nous avons montrées précédemment. Mais chez Dieu, toutes ces personnes qui sont là, parce que ces personnes qui sont là n'ont rien à faire chez elles et qu'elles sont juste là comme ça en train d'écouter la parole de Dieu. Mais bien sûr que non. Mes frères et sœurs, c'est l'heure de vous réveiller et de chercher la face de Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et nous devons être prêts. Nous devons être vraiment très prêts. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Et nous sommes de vous et nous croyons à la prochaine vidéo. Mes condoléances à la famille aussi qui a perdu quelqu'un de très important. Que Dieu vous donne la consolation possible, toute la consolation possible, et que les jeunes soient aussi réconfortés. Prenez soin de vous, et que ça nous aide à apprendre beaucoup de choses sur la vie, sur les expériences de la vie. Ayons l'esprit éveillé. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, et cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via Wesley. Waouh! Merci beaucoup.